travailler quelques clés de bras. D'accord. Donc je vais me servir comme partenaire de Ronan. Vous avez vu, on a la même corpulence, le même poids. Donc ça va être parfait. Ronan va se mettre sur le dos. Et là, je vais venir. On va partir d'une position ici qui est le contrôle du dos. Donc, point clé, mon pied ici est bien posé au sol. Celui-ci, pour me permettre de suivre, genou vers le ciel. Et là, vous allez pouvoir regarder, je peux venir ici écraser pour bien maintenir. Je me sers naturellement de son triceps et je viens ici serrer. Première clé de bras qu'on va faire, clé de bras tendue en me servant de ma jambe au sol. Je viens glisser sur son bras. Je viens ici contrôler sa tête, je viens tendre son bras et mon pied va venir appuyer sur le bras. Ici pour réaliser une clé de coude. J'appuie jusqu'à la douleur et quand il y a la douleur, je frappe. Point clé, il faut bien ici que le coude soit sur ma cuisse pour pouvoir réaliser ce mouvement de clé de bras. Deuxième technique, je suis ici, je viens plier et là, mon adversaire va plier son bras pour éviter que je lui tende parce qu'il connaît la clé de bras. Ici, hop, il plie. Donc je viens ici, il plie son bras et là, hop, je lève simplement pour venir bloquer son bras sous mon tibia. Et là, je viens après appuyer pour faire clé de coude, clé d'épaule. Ici, je viens bloquer, comme si je voulais ramener son bras dans l'autre sens. Donc je suis ici, il sait qu'il va se passer, il ramène son bras vers lui, hop, je lève et je viens simplement bloquer. Et ensuite, je peux venir ici, si je le souhaite, croiser pour pouvoir ramener. Si ça passe toujours pas, je peux ramener ici dans un premier temps, pour venir écraser. Je remonte, première clé de bras tendue, je viens contrôler ici, je tends le bras, le coude est bien sur la cuisse, je viens ici appuyer, clé de bras tendue. Deuxième possibilité, je suis ici, il ramène son bras, je lève, hop, et ici je viens bloquer. Ensuite, troisième clé de bras, je suis ici, je suis en contrôle du dos. Je passe ma jambe dessous pour être en contrôle et là je viens en position 100 kg. Ce bras là, je vais venir le ramener au sol et c'est ma main ici qui va venir la bloquer. Première possibilité, clé de bras tendue, je viens ici, le serpent et je viens monter. Si je suis plutôt haut sur lui, clé de bras tendu, je bloque au sol et ici je viens monter mon coude. Ici, je viens monter mon coude. Je suis ici, je viens travailler sur sa main. J'ai réussi à bloquer sa main en version pliée. Je vais venir ici, passer ma main paume vers le bas sous sa nuque pour venir attraper. Je viens bloquer, je suis toujours fort sur mon 100 kg. Une fois que ma prise ici est bien faite, je bloque au sol. Je décroche ici pour passer par-dessus sa tête, donc toujours au sol. Je viens contrôler sa tête avec ma tête et je viens ici bloquer. Ma main paume vers le bas va venir attraper. Et maintenant, je vais ramener tout ça vers mon corps. Vous voyez, il y a déjà la clé. Je ramène. Et ici, ensuite, je remonte. D'accord? Clé de bras tendue. Ici, petit segment, c'est facile. Sinon, ici, je viens bloquer. Je viens saisir. Je viens reculer sa tête au maximum. Et je viens faire une clé. Voilà, bah, vous n'avez plus qu'à vous entraîner. Regardez plein de fois cette vidéo qui vous permettra de garder en mémoire
l'intégralité de ces clés-là. On fera aussi le triptyque, enfin des triptyques qui vont vous permettre de, si vous pouvez le faire à la maison en vous servant de femmes, enfants, animaux, eh bien ma foi, pourquoi pas. Ceux qui ont des enfants, vous pouvez les martyriser, c'est légal. Et sinon,